faire 4 aujourd'hui, nous vous êtes chelou, hein. On se retrouve pour le 4e épisode de The Ninja saison 3 avec François. Salut. Et Even Girl. Donc aujourd'hui, nouvelle épreuve. Est-ce que vous pouvez me suivre, les gars? Enfin, messieurs, dames. Les gars, c'est, j'ai l'habitude de dire les gars. Chelou. Ah oui, bah oui, on va carrément de l'autre côté. Si vous voulez faire plouf plouf dans la piscine, allez-y. C'est non, c'est bon. Surtout que je suis en pull, moi. Quand tu vois sans mon skin. Donc toujours les habits. Donc, c'était là le les habits de Cole. Le bâtiment où il y avait le... Une Janoire. Ouais. Enfin, Cole, ouais. Ah, ça par contre, je pense pas que vous voudriez passer à côté. Bah avancez. Attendez, vous êtes toujours au truc avec Ninja Noir là? Ouais, là, voilà, derrière toi, non, ici, là, ici, près de la porte, là, ici, tu vois, là, ouais, ici, vous êtes voilà. Là. Venez. Je pense que vous allez pas aimer à passer à côté, mais bon. La chance. Vous inquiétez pas, c'est pas ça l'épreuve. Ouh, heureusement. Tu suis toujours Even. Vas-y, continue tout droit, c'est là-haut. Non, viens pas, voilà. C'est le bâtiment là. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. C'est... ah non, c'est pas ça. Pardon. Donc... D'ailleurs, j'ai vu la... Nadal Piston, je sais pas quoi. Là. Nadal Piston, je vois pas. Bref, je sais pas. Donc, ouais, enfin bref. Donc, ça, c'est le labyrinthe sans mur. Bien sûr, le premier arrivé là-haut gagne le point. Vous êtes prêts? Vous pouvez vous battre. Ou sinon... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un chronomètre. Donc ça veut dire celui qui aura mis moins de temps pour arriver de l'autre côté, et ben aura le point. Ça vous dit, au moins ça laisse un petit peu de suspense. Ok. Qui passe en premier? Fille ou garçon? Moi. Honneur. Honneur aux filles. Moi, ouais, honneur aux filles. Attends, bah pose-toi, sinon je peux pas ouvrir la porte. Prêt? Vas-y, dès que tu rentres à l'intérieur. Oui, non, mais pose-toi. Je peux pas. 3, 2, 1, vas-y. Even. Non, François, toi tu sors par contre. Là. Mais la porte, pardon, François. Tu peux attendre l'autre. Ouais, sinon, bah tu regardes. Tu la regardes par là. Moi, je me mets de l'autre côté. Attention, le but est de mettre le moins de temps possible. Tiens, j'imaginais pas ça aussi grand que ça. Je croyais que c'était plus petit. Je voudrais tellement le faire. Mais tu le feras tout à l'heure. Bien sûr, si ah, tu... Ah, mais tu perds pas, en fait, niveau taille. Bah, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que François, t'y vas. Vas-y, rentre dedans. Ouais. Le premier qui arrive de l'autre bout aura gagné. Bien sûr... Même si vous perdez, faudra quand même ressortir de l'autre côté. Évitez de suivre votre camarade. Non mais... J'ai des aftes, moi. Tout à coup, ça fait mal. Ah mais... Ah ouais, j'ai un aft. Oula. Par contre, ça fait pas du bien. En fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est un aft, vous savez, tu sais au moins c'est quoi un aft, François? Bah oui, quand même. Ouais, en fait, c'est, on peut dire, un trou dans la peau, surtout sur les lèvres, sur les gencives. Et en fait, c'est causé soit par le... Bah, c'est causé quand on met, par exemple, je sais pas, les doigts dans la bouche, ou tu vois, un truc dans le genre. Ceci était une petite séance de chirurgie. Voilà. Et ça fait énormément mal. C'est pas comme les caries, moi j'ai jamais connu les caries. Heureusement, j'ai pas envie de les connaître, mais ça fait vachement mal, surtout quand on mange. Après, si c'est sur les lèvres, ça peut le faire, c'est pas moche, mais après, si c'est sur les gencives, là par contre, vous arrachez les cheveux, c'est horrible. Et quand vous, bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, je dis, si jamais vous avez un aft, bien sûr, je vous conseille de pas manger de chocolat et de banane,
tout ce qui est dans le genre, parce que sinon vous allez encore avoir plus mal. François qui va pas tarder à trouver la sortie. Par contre, vous croyez que vous vous approchez de la porte, mais en fait ça peut être trompeur. Vous voyez le truc, Steven, qu'on n'entend plus. Ouais. On n'entend plus. C'est dur là. Ah, j'aime bien voir les gens galérer comme ça. Ah, j'adore. Ah, t'as pas connu la saison 2. Le truc, il était plus grand. Il y en avait deux des épreuves comme ça. Après, il y aura une épreuve d'orientation. Voilà. Attention, l'épreuve d'orientation, elle est pire que l'autre, que l'épreuve avec les... avec les costumes. Oh, elle me saoule. Je donne un petit indice. Attention hein, François, parce que si elle va sort, je pense que là vous serez à égalité. Sans compter que je pense qu'il y a encore une... Je crois une dernière épreuve ou deux autres. Donc, alors tout à l'heure, je n'ai pas filmé, mais j'avais l'impression d'avoir vu Moro, je sais pas. J'avais vu un truc passer dans la forêt. C'était tout vite, hein, ça allait vite. Pas trop compris ce qui arrivait. Bien sûr, les épisodes, on les tourne à la foulée. Donc vous ne pourrez pas me donner des conseils pour le prochain épisode. C'est bête. Ah, il n'y a plus personne qui bouge tout à coup. Ah si, c'était un bug. Qui pense s'approcher, ben, en fait c'est faux. Je pense. C'est pénible, hein. Et dites-vous que c'est un petit peu pire que le jump. Bon, là au moins vous êtes à l'abri si jamais il pleut. Mais il pleura jamais. C'est bizarre quand on entend plus de quand t'as craft. Non, sérieux, ça fait tout bizarre. Aïe aïe aïe, c'est pas gagné, hein. Je suis impatient d'être en novembre. Elle doit savoir pourquoi. Elle le dit pas à la caméra. Je pense que les gens vont savoir. Elle ne le dit pas à la caméra. Mais je suis pressé d'être en novembre. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de finir cette année 2015. Décembre, je sors une série qui s'appelle Dans le monde de Noël. Je fais une aventure Noël avec deux Pentacraft, voire d'autres personnes encore. Encore deux Pentacraft, je sais pas si vous voulez participer. Vous pouvez mettre. Presque comme la même aventure de Sifagur et puis le... Comment il s'appelle? Je me rappelle plus comment il s'appelle. Excusez-moi, hein, mais je me souviens plus. Bah, je vous mettrai le lien de la première vidéo en description. François qui reste... Qui lag. Ouais, un petit peu.
j'adore vous voir galérer. Au bout d'un moment, quand vous restez au même endroit, ça commence à me lasser. Je commence à en avoir. Bon. Le but, bien sûr, c'est de partir un petit peu partout. Hein. C'est une belle invention parce que comme ça, on peut voir à travers les murs. Ah, tu vois, toi, à travers? Bah, je vous vois, là. Je vous vois. Mais tu vois en dessous ce qu'il y a, non? En dessous? Ouais. Bah, Even, tu te rappelles de la technique? Ouais, je me rappelle, hein. Tu sais que tu peux l'utiliser, hein. Mais normalement, le but, c'est de pas l'utiliser. Donc, je te conseille de pas l'utiliser. François qui vise le mur en essayant de passer. Il essaye de casser le bloc en dessous pour passer, en espérant qu'il y a un gros lac qui arrive. François qui a des yeux bizarres et qui a un... Ça donne envie de rigoler. Sauf que là par contre j'ai les larmes, je sais pas pourquoi. T'as un nouveau skin toi, non? Non, non, bah enfin techniquement on pourrait dire que j'en ai un nouveau. En fait c'est moi mais en robot. Parce que si vous avez vu, normalement vous verrez dans l'épisode 2 je crois. En fait le Master Chain qui s'est transformé en serpent m'a avoué que j'étais un robot. Voilà. Oh là là. Ça m'énerve. Je trouve qu'il y avait une musique qui était comme ça, non? Et j'aime pas les musiques du genre comme ça. Comment est-ce que vous faites pour rester toujours au même endroit? Faut partir un petit peu partout, hein? Faut partir. Voyager, voyager. Et je vais finir par éteindre les lumières, hein? Vas-y, éteins les lumières, s'il te plaît. Ah, tu veux les éteindre? Ouais. Vos désirs sont des... Bref. Oh. Ok. Hop. Une lumière éteinte. Parce que là, je vais la laisser allumer. Mais enlève pas du tout, on est devant moi, là. Oh, il est beau. Oh, c'est impossible. La lumière du centre aussi, j'enlève. Ouais, tout. Non, bon, j'enlève, oh, pas... j'enlève pas celle du centre. C'est comment maintenant là-haut? Oh, ça fait chelou. Bête, hein. Je sais ce que tu vas te penser. De bourré. Hey, ça fait chelou. On peut pas le commencer de son côté? De mon côté? Non. Commencer de là. Ah, c'est de là, ok. Parce que sinon, vous aurez des idées sur le chemin. Déjà, vous saurez... Quand vous arriverez là, bah, vous saurez où sortir. Tu vois ce que je veux dire? Des façons d'expliquer. Quand je pense que moi je suis de l'autre côté, pensez à la compétition. Je le dis, oh, je le dis tout le temps. François, que je pense qu'il a trouvé la technique de faire péter. Ah non, et en fait, il a pas trouvé la technique. Moi qui croyais qu'il avait trouvé la technique, je sais pas trop ce qu'il fait là. Pose la TNT. Pas pourquoi. Hein, je veux pas dire. Bon, ce serait peut-être temps de trouver la sortie là, non? Je sais pas, mais je sais pas. Je dis ça, hein, mais après,
dis rien. Un petit tas vient d'apparaître. On est dans un labyrinthe, hein. Ça se voit, on est pas aveugle. Trop de labyrinthe. Sans mur. Mais réfléchissez un petit peu comment est-ce que le labyrinthe est fait. Je sais pas moi, réfléchissez un petit peu comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce que vous pensez la hauteur du plafond, si ça paraît chelou, il n'y a pas un truc. Je sais pas moi. Pensez à quelque chose. Pourquoi est-ce que le plafond est aussi haut? Pourquoi est-ce que la pièce est aussi grande? Je sais pas moi. Tirez des conclusions hein, pour pouvoir vous sortir. Et bien sûr, la technique là serait totalement interdite. Bon allez, je viens vous rejoindre parce que je commence à m'ennuyer grave. Même si j'ai pas le droit. Alors, on va rigoler les petits. On va rigoler. Je pense que je vais m'en sortir. Je me vante pas. Quoi le bruit? Je sais pas, c'est quoi, vous entendez? Ah, ah, ah. Je suis dans un... Sans dire le mot. Sac. Je m'approche de vous, là. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Je peux l'avouer, c'est pas facile. Ah, Ivan. Ouais, c'est vrai que ça commence un peu. Mais bon, voyez le bon côté des choses. Imaginez qu'il y a 100 000 euros de l'autre côté. Le premier qui arrive... Bon. Aura l'Elias. Réfléchissez. Ça aussi, ça peut vous aider. Ah, Ivan, qui commence. Ah bah non. Ah non, je pense que... Ah, puis ça me saoule. Moi j'ai... pas une grande patience, vous savez. Des fois quand j'ai pas le choix, je suis obligé. Hein. Et là ça me tape sur quoi? C'est vrai qu'il est particulièrement dur. Bon, j'accepte que vous utilisiez la technique. Allez vas-y Steven. Utilise. Quelle technique? Ah, Ivan montre... Non, vous savez quoi, n'utilisez pas. N'utilisez pas, parce qu'il y en a qui ne sait pas. Il y en a une qui... Ah, ah, ah. Ivan. Ivan. Ivan, Ivan, Ivan. Ivan qui est là. Et qui va peut-être gagner. Ivan. Ivan. Oh, punaise de bon Dieu de... Ah, Ivan. Elle a réussi. Un point de plus. Vous êtes 4 à 4 égalité. François, tu peux te TP.